Les amis, avant que cette vidéo ne commence, je suis parti une semaine en vacances et j'ai eu la chance de prendre le bateau. Seulement pendant la croisière, je me suis demandé s'il existait un jeu vidéo avec des combats de bateaux. Et bien figurez-vous que c'est chose faite grâce à World of Warships. World of Warships, c'est un jeu gratuit pour tout le monde et disponible sur console ainsi que sur PC. On peut même jouer en multijoueur avec ses amis en équipe. Le jeu possède également plus de 600 navires de guerre historiques en 13 nations différentes. Il y a 5 classes de navires différentes sur le jeu, les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, et il y a même les amis des porte-avions ainsi que des sous-marins. Et en plus de ça, vous pouvez également complètement customiser au choix votre navire, et les graphismes sont juste incroyables et totalement réalistes. En plus de ça les amis, grâce à mon lien en description, si vous installez le jeu, vous pourrez obtenir un pack de bienvenue gratuit d'une valeur de 25€ avec comme cadeau 500 doublons, 2 millions de crédits, un excellent bateau de rang 4, 7 jours de compte premium et 6 points de compétences de commandant. Du coup les amis, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description, tous les liens sont là-bas. Et sur ce, nous on va pouvoir commencer la vidéo. Les amis, du coup on se retrouve pour la vidéo puisqu'actuellement il se passe des choses très très étranges dans mon grenier. J'entends des bruits depuis ce matin les amis. Alors il y a peut-être quelqu'un qui est actuellement dans mon grenier. Et pour cela du coup j'ai appelé Chase, puisque Chase, je vous le rappelle, c'est un chien policier. Et il va mener l'enquête avec moi. Wow, 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 qu'est-ce que tu fais là Chase? Par contre, tire pas comme ça dans ma maison. Ah mais je tire sur les fruits. Mais ils ont rien fait les fruits, laisse-les tranquilles. En plus voilà, c'est pas du tout le moment. Bon du coup les amis, avant qu'on aille dans mon grenier découvrir ce qu'il se passe, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Voilà, on va tout droit vers les 300 000 abonnés. Du coup je compte sur vous. Hey Reason. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Chase? Hey, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. What, attendez, c'est quoi ça? C'est un œil de laine. Attendez, l'œil qui surveille les non-abonnés. What? Ok, bon bah là, voilà, il faut vous abonner. Hein, sinon, il y aura cet œil sous votre lit ce soir. Et il fait quand même assez flipper. Bon, tiens, je te le rends, Chase. Allez, on arrête les bêtises. Maintenant, on va se concentrer. Parce que là, les amis, on va aller dans mon grenier. Tu penses que c'est qui se cache dans mon grenier, toi, Chase? Bah, je sais pas. Ouais, bah en vrai moi non plus je sais pas du tout. C'est un fantôme. Bon je pense pas que les fantômes ça existe. D'ailleurs dites moi en commentaire les amis si vous croyez aux fantômes ou aux esprits. En tout cas c'est parti les amis. On va monter dans le grenier et découvrir ce qu'il se passe. Ok les amis, what? Mais attendez, mais pourquoi il y a du sang? Mais c'est quoi ça? Wesh, mais attendez, mais il y a des gens, il y a une secte qui vient dans mon grenier ou c'est comment là? Qu'est-ce que c'est que ça les amis? Ah ouais c'est moi. C'est toi? Comment ça c'est toi Chase? Ouais, c'est moi tous les soirs pendant que tu dors, je viens ici et je fais C'est pas le moment de rigoler là, Chase. What? Oh, j'ai pas vu les amis, d'ailleurs regardez, il y a également des squelettes. Il y a du sang qui mène juste ici. Mais attendez, mais ici il y avait un mur de base, ça refermait le grenier et là il y a un énorme trou. Oula les amis, bon déjà Chase, vu que t'es un policier, je pense que t'as déjà remarqué les indices qu'il y a au sol. Regarde ici, il y a des gros bidons de soda. Et le trou ici est quand même assez énorme. Donc voilà, la personne qui l'a faite, bah à mon avis, a une corpulence assez, comment dire, assez massive. Du coup, Chase, ok, regardez, il est en train de récupérer tout ça. Moi, j'ai ma petite idée en vrai de qui ça pourrait être, hein, qui squatte mon grenier. Je sais pas si toi, tu l'as trouvé également, Chase. Ouais, j'ai une petite idée. Vas-y, dis-nous à qui tu penses. Je sais plus comment il s'appelle, le mec violet, là. Le mec violet, eh bien oui les amis, c'est Grimashake. Bon, je pense que c'est lui qui squatte dans mon grenier. Il essaie peut-être de vouloir voler la nourriture qu'il y a dans mon frigo. Ou peut-être de nous manger, qui sait. En tout cas, voilà, on va pas le laisser revenir comme ça chez moi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter des caméras de surveillance. Puisque là, la nuit est tombée les amis. Et moi après, je vais aller dormir. Du coup, voilà, je vais installer des caméras. Par contre, je peux plus redescendre. Écoute, ok, c'est bon. Moi je vais aller au commissariat et puis je vais voir tout ça et voilà. Ok, bon tu vas faire des relevés d'empreintes etc. Bon bah tu me tiens au jus hein Chase, tu m'appelles, de toute manière t'as mon numéro. Vas-y. Ok, bon les amis par contre je me retrouve tout seul là, du coup ça me fait un peu peur. Sachant que le Grimashake doit être sûrement dans les parages, on va quand même regarder à travers les fenêtres. Non bon à mon avis il a dû partir, mais il va sûrement revenir. Du coup voilà, j'ai pris des diamants puisque on va aller à l'épicerie qui vend des caméras. Elle est ouverte 24h sur 24 dans le village les amis. Du coup c'est parti, on va aller acheter tout ça et installer tout ça
ça et on découvrira ensemble les amis qui se cachent dans mon grenier. Donc du coup ma voiture est garée normalement en bas. Hop, on va aller, bah ma voiture ça ira beaucoup plus vite parce que voilà l'épicerie elle est un petit peu loin. Elle est au village cartoon, c'est pas la porte d'à côté pour ceux qui regardent toutes mes vidéos. Du coup c'est parti et en attendant que je fasse la route, n'hésitez pas également à mettre un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si on pourrait atteindre les 700 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Du coup je compte sur toi l'ami, voilà, mets un gros pouce bleu, c'est totalement gratuit, ça coûte rien. Du coup c'est bon, on est bientôt arrivé au village cartoon les amis. Voilà, regardez l'entrée, elle est juste là. Hop, on va se garer juste devant l'épicerie. Et voilà, j'espère sincèrement qu'elle est ouverte, sinon voilà, on va un peu galérer. Hop, ok c'est bon, elle a l'air d'être ouverte. Hop, on rentre. What? Attendez, il n'y a personne, par contre il est où Apu? Apu, t'es là? Oh oui, oui, oui. T'es où? Oh ok, il était à l'étage, mais qu'est-ce que tu faisais à l'étage Apu? Oh bah t'inquiète, je t'occupais, je prenais les trucs et tout, fait t'inquiète. Ok ok, bon je veux pas savoir ce que tu faisais. Bon du coup Apu, je viens te voir parce que là il me faudrait des caméras de surveillance en urgence, ainsi que la petite tablette qui nous permet de les contrôler. T'aurais ça Apu? Je vais prendre ça. Ok, bon bah je crois qu'Apu il a les amis, il est parti dans la réserve employé en nuit. Attendez, on va rentrer pour voir ce qu'il fait Apu là, s'il me voit là-dedans. Ah mais je regarde ici, oh. Oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Eh hey, sors. Oh, 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 aïe, oh, wesh, ok. Il m'a carrément frappé les amis pour que je sorte, il a fermé la porte derrière. Ok, bon on peut vraiment pas rentrer. Alors que pourtant il y a rien de spécial en vrai, il y a juste des cajots avec bah, plein de trucs dedans je pense. C'est bon, t'as trouvé Apu? Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, bon, il y a tellement de trucs dans son épicerie, il s'y retrouve même plus. C'est bon, du coup, ok, il a les caméras, les amis. Bah, donne-en moi une petite dizaine, hein, je pense que ça suffira. En vrai, c'est juste pour les mettre dans mon grenier. Hop, ok, il y a la tablette également. Bon, bah, Apu, à la prochaine, hein, je paye pas. Hein, oh, on va payer, oh. Non, je rigole. Je te dois combien, Apu, du coup? Peut-être 40 diamants. 40 diamants, ok, bon bah j'ai pris plus qu'assez les amis. Hop, on va redescendre à 40. On est bientôt à 40 les amis. Ciao Apu, hop, let's go. C'est bon, le compte est bon normalement. Y a tout ce qu'il faut Apu, c'est bon? Ouais c'est bon. Ok, bon bah à la prochaine, hein. Bonne nuit hein. À la prochaine. Ok, hop, c'est bon du coup les amis. On a nos petites caméras de surveillance. On va pouvoir aller installer tout ça dans mon grenier et découvrir, voilà, si c'est bel et bien Grima Shake, bah tout simplement, qui vient dans mon grenier pendant la nuit les amis. D'ailleurs je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche dans mon grenier, c'est très très bizarre. Mais voilà, si jamais on le croise dans cette vidéo, d'ailleurs restez bien jusqu'au bout, on essaiera de lui demander, voilà, s'il essaye pas de nous manger avant. Hop, let's go, du coup c'est bon, on fait le chemin retour. On est bientôt arrivé chez moi les amis. Wow, je roule n'importe comment là, c'est la fatigue les amis. J'ai à deux doigts de me manger des lampadaires là depuis tout à l'heure. Ok c'est bon, je suis arrivé devant chez moi. On va regarder la voiture là. Wow, wow, mince. Ok, j'ai rentré le capot dans le lampadaire carrément. Il faudrait peut-être que je songe à repasser mon permis de conduire, hein, parce que voilà, ça va plus trop là. Hop, let's go, on va monter les amis et on va installer tout ça. Let's go, let's go, let's go. Bon, pour l'instant ça va, je n'entends pas de bruit bizarre. Mais cet après-midi les amis, voilà, j'ai entendu plein de bruits bizarres. Donc peut-être que voilà, si, enfin ils reviendront cette nuit, on verra bien. En tout cas, let's go, on va monter dans mon petit grenier. On va essayer de faire un peu moins de bruit, voilà, si jamais il est revenu. Hop, let's go, on monte. Ok, ça va, pour l'instant il n'y a personne les amis. Alors, on va installer les caméras, on va essayer de les cacher un petit peu. On va en mettre une juste ici derrière le toboggan de mes enfants. On va en mettre une également ici les amis, hop, juste au-dessus. On va regarder un petit peu si ça marche, ouais, ok, ça marche. Celle-là aussi marche. Et on va en mettre une également dehors les amis. Comme ça voilà, si jamais il part, on le verra. On va en mettre une juste là les amis. Ah bah par contre je crois qu'on n'aura pas la vision. Ouais, on n'aura pas la vision sur le côté. On va essayer d'en remettre une. Wow! Regardez les amis là-bas, what? Il y a eu une fumigène qui a explosé. Mais c'est bizarre, il n'y a personne à l'intérieur. Bon, il se passe vraiment des trucs très très bizarres les amis. Wow, ok. Il y a une fumigène qui s'est claquée sur moi. Bon, je vais vite descendre du grenier les amis. Hop, ok, ça fait super flipper. J'ai pas réussi à identifier c'était qui les amis. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de trouver des blocs vite fait. Et on va tout simplement reboucher le grenier. Et puis moi je vais aller dormir. De toute manière voilà, s'il se passe quelque chose, les caméras me réveilleront les amis. Hop, on va récupérer vite fait quelques bûches qui nous permettront de reboucher les trous dans le grenier. Wow, il y a une fumigène qui a été claquée encore là. Mais qu'est-ce qui se passe là, c'est trop trop chelou. Wow,
C'était quoi ce délire? On m'a attaqué! Mais wesh, mais y'a personne! Mais attendez, mais j'ai des hallucinations, c'est pas possible! On vient de m'attaquer là, je suis pas fou! Bon, les amis, ouais, c'est très très étrange, je comprends pas du tout là! Allez, vite, on va reboucher tout ça, les amis! Et après, on va aller dormir, je suis peut-être dans un mauvais cauchemar en vrai, je sais pas! Hop, let's go! Je vais reboucher le trou! Ah, d'ailleurs, y'a plein de sang là! Ah, c'est dégueulasse, les amis! Ok, hop, c'est bon, normalement, on a rebouché! On verra tout simplement, voilà, si jamais c'est cassé pendant la nuit! Ah, bon, du coup, moi, je vais aller dormir et je vous reprends si jamais il se passe quoi que ce soit. Du coup, bah, peut-être à tout de suite. A few moments later. Wow, les amis, je vous reprends parce que là, écoutez, les amis, il y a des fumigènes qui sont claqués et il y a également des bruits de pas très, 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 très bizarres qu'on entend dans le grenier, les amis. Ok, bon, bah, il y a bel et bien quelqu'un qui squatte mon grenier là actuellement. Regardez, les fumigènes dépassent carrément mon plafond. Ok, bon, on va regarder sur les caméras un petit peu qu'est-ce qui se passe là actuellement dans le grenier. Hop, ok, regardez, il y a les fumigènes là, du coup on les voit. What? Ok, les amis, c'est bon, j'avais raison. C'est bel et bien Grimashake. Wow, il a jeté une caméra sur... Enfin, une fumigène sur les caméras, les amis. On ne voit plus rien. Ok, qu'est-ce qu'il fait dans mon grenier là? Et on va aller le voir directement, les amis. Là, ça peut pas continuer comme ça. On va lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Ok, c'est parti, les amis. Je monte dans mon grenier du coup. Oh, Grimashake, là, qu'est-ce que tu fais dans mon grenier? Oh, je fais des incantations. Tu faisais des incantations? Mais what? Mais t'es trop bizarre. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à eux là? C'est toi qui les as tués? Ouais, c'était quelques petits problèmes sur le passage. T'as eu quelques petits problèmes, comment ça? Mais wesh, c'est quoi ce délire? Tu tues des gens carrément, Grimashake? Wesh. Mais oui. Wow. Ok, regardez, les amis. Wow, il a sorti un bazooka. Ok, il a détruit mon grenier, les amis. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'enfuir, là. Eh, reviens ici, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ok, je viens si tu veux. Wow, il a sorti un couteau. Aïe, ok. Il essaie de m'attaquer, du coup, il veut me manger, je crois. Wow, ok, bon, je vais pas rester là. C'était peut-être une mauvaise idée d'aller le voir, les amis, surtout que je n'ai aucune arme où on pourrait aller se cacher, là. Il faudrait trouver une cachette pour réussir à l'esquiver. En tout cas, voilà, j'aurais pas dû l'énerver, je crois. Il a l'air super vénère. En plus, il a un lance-roquette sur lui, les amis. Je sais pas du tout où il a trouvé ça. Ok, il y a encore des fumigènes qui se claquent derrière moi, c'est-à-dire qu'il me suit. Hop, on va essayer de tenter le cimetière. J'espère qu'il va pas détruire ma voiture au passage, elle est juste là, j'aurais pas dû passer devant, les amis. Oh là 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 là. Vite. Ok, ça va, il a pas détruit ma voiture. Mais en tout cas, il me suit à la trace. Oh là là là, wow. Ok, la roquette est passée juste à côté de moi. Wow, il est pas là pour blaguer, Grimashake. Ok, regardez, il détruit carrément le cimetière. Mais attendez, mais il a aucune âme, Grimashake. Hop, vite, j'ai peut-être ma cachette, par contre, voilà, il faut que je prenne un peu d'avance. Ok, j'en ai pris normalement, let's go, on va se cacher dans la petite grotte qui est dans le cimetière, les amis. Aïe, wow, il y a une roquette qui m'a touché. Ok, hop, la grotte est où, les amis? Ok, elle est juste là, vite, faut que je me dépêche de rentrer dedans. J'espère qu'il va pas me trouver, les amis. Ok, c'est bon, je suis dedans, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ok, wow, on va mettre une petite caméra ici, les amis, on va regarder pour voir s'il arrive. Ok, parfait, là on a un visuel sur l'entrée de la grotte, normalement j'entends des bruits de pas, les amis. Wow, il y a encore une explosion juste à côté. Ok, elle est juste à côté, les amis, j'espère qu'il va pas me trouver. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, je suis encore sur la caméra, pour l'instant je ne vois rien du tout. Wow, ok, ça a été détruit juste en face. Oh, wow, il m'a fait super peur. Ok, je vois plus rien, les amis, il faut que je bouge d'ici, il m'a trouvé. Ok, il est là. Wow, il est en train de détruire complètement la grotte. Ok, bon, c'était vraiment pas une bonne idée d'aller se cacher là. Wow, il me reste 2 cœurs de vie, les amis. Oh là là, il m'a fait beaucoup de dégâts là, il m'a fait énormément de dégâts. Ok, il a détruit complètement le cimetière, mais il est complètement taré, les amis, Grimashake. What? Ok, regardez la roquette là qui part vers ma maison. Il est encore derrière moi, il veut pas me lâcher. Qu'est-ce que tu me veux, Grimashake, au juste? Je veux te manger. Wow, ok, les amis, bon bah là au moins ses intentions elles sont claires. Il va vraiment falloir que je trouve une cachette si je veux pas me faire manger. Oh là là là, en plus je repasse devant ma voiture. Bon là c'est mort pour elle là, je pense qu'il va la détruire. Ok, ouais, bon c'est bon, il n'y a plus de voiture. Bon c'est pas grave, c'est pas le plus important. Là les amis, je vais devoir trouver un endroit où me cacher illico presto. Ok, j'ai peut-être une idée. Dans la maison de Deka, les amis, il y a une grotte.
Voilà, c'est plutôt une bonne cachette, je pense. Attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Il me suit encore ou pas? Il est plus derrière moi. Ah si, il est là-bas. Wow. Ok, il a retiré une roquette, ça a fait me toucher. Bon, on va monter dans la maison de Deka, les amis. Bon, bah, désolé, Deka, si tu vois cette vidéo, voilà. Grimashek va peut-être détruire une petite partie de ta maison. Mais au moins, voilà, ça me permettra de me cacher en sécurité. Ok, il est juste derrière. Vite. Mais attendez, mais et elle est où sa villa, Deka, là? Wesh, elle est grave en hauteur, les amis. Je galère. Aïe, il est derrière moi encore, il est derrière moi. Il m'attaque. Vite. Ok, mais attendez, mais elle est où sa villa? Je la trouve pas là. Ok, c'est bon, je crois qu'on est bientôt arrivé. Vite, ok, le chemin est juste ici. Hop, on va se rendre à l'entrée. Let's go. Il est encore derrière. Oh, il est devant maintenant. Aïe. Wow, ok, m'attaquer. Vite. Ok, je rentre dans la maison de Deka. Let's go. Alors maintenant, il faut que je trouve l'endroit où tout simplement. Aïe. Wow. Ok les amis, j'ai pris l'ascenseur mais il n'y avait plus d'ascenseur, du coup j'ai fait une énorme chute. Ok, bon, je crois que j'ai mis une petite distance à Grimashake par contre. Hop, let's go, on va aller dans le souterrain de la maison de Deka les amis. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a ici au juste là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, bon, ça me paraît pas mal comme cachette. Au pire, on va se cacher ici les amis. Hop, let's go. Ok, on va se cacher juste là. Ok, je l'entends parler les amis, là il est actuellement en train de me chercher. Mais la villa de Deka, c'est un vrai labyrinthe tellement elle est grande. Du coup, je pense qu'il va galérer. Ok, bon là, on est plutôt pas mal. Bon, j'entends encore énormément d'explosions. Il est en train de tout détruire dans sa maison, le pauvre Deka. Ok, ça explose encore hein. Bon, on va attendre que les explosions finissent les amis. Et ensuite, on va vite sortir d'ici. On va s'enfuir de là. En tout cas, voilà, je connaissais pas cet endroit, mais c'est plutôt sympa. Il y a une petite, je sais pas c'est quoi là, on dirait un petit lac. C'est très très sympa. Ok, bon, pour l'instant voilà, les portes ne s'ouvrent pas les amis. Hop, j'entends plus d'explosions également. J'aurais peut-être dû poser des caméras dans la maison de Deka en même temps, voilà, pour voir un petit peu si Grimashek était encore là. Ok, bon, ça m'a l'air d'être bon. On va pouvoir sortir les amis discrètement et on va vite fait partir à la tour de la patte patrouille pour aller rejoindre tout simplement Chase. Ok, ça va, j'entends rien là. Hop, on va monter. Allez, vite, on se dépêche. Ok, what? Regardez les amis, le salon de Deka a été complètement détruit. Bon, ça va, je ne vois pas Grimashek. Allez, vite, on va se dépêcher de remonter. Wow, il y a plein d'eau partout en plus. Ok, c'est une galère un petit peu. Je dois esquiver l'eau pour aller plus vite. Vite. Hop, wesh. Ok, je suis bloqué dans une source d'eau là. Allez, on se dépêche. Let's go. What? Regardez les amis. Wow, mais c'est quoi ce délire? Ok, c'est n'importe quoi. Deka, il va péter un câble. Hop, vite, allez, je ressors d'ici. Qu'est-ce que c'est que cette salle là? Ah, maintenant, on peut pas sortir par là. Il a tellement détruit, les amis, Grimashek, que je ne sais même plus où elle est, la sortie de la maison de Deka. Hop, ok, je crois qu'elle est là. Ok, c'est bon, la sortie est là. Allez, vite, on part d'ici maintenant, les amis. Je vais aller à la tour de la patte patrouille. On va prendre un quad. Ok, il y a le quad de Deka. Bon, je lui ai détruit sa maison à cause de Grimashek. Et maintenant, je lui vole un quad. Allez, hop. Bon, après, c'est voilà, c'était une question de vie ou de mort. Du coup, let's go. On va se rendre illico presto à la tour de la patte patrouille, comme je l'ai dit, les amis. J'espère que Chase ne dort pas encore. Comme ça, je vais pouvoir lui raconter tout ce qui s'est passé. Hop, let's go. Et il va plutôt vite son quad en vrai, hein. Il va plus vite que ma voiture. Hop, ok, c'est bon, on arrive au village cartoon. Bon, normalement, on a réussi à semer Grimashek. C'est déjà une bonne nouvelle, les amis. Hop, oh, Chase, tu m'entends? Oh. T'es où? Chase? Ah ouais. Ok, ah, il est dans la tour, les amis, on l'entend. Ok, on va se dépêcher d'aller dans sa chambre pour voir s'il est là. Hop, let's go. T'es où, Chase? Ah non, mais t'es tout en haut. Ah, t'es tout en haut. Ok, vas-y, j'arrive. Ouais. Hop, let's go. Wesh, ça me donne le tournis, ces escaliers. Ok, ah, c'est bon, là. Eh, hey, Chase, il s'est passé un truc de ouf, en vrai. Quoi, il s'est passé quoi? Il y a Grimashek qui était dans mon grenier pendant que je dormais. Et il a attaqué toute ma maison. Il a détruit également la maison de Deka. Et là, du coup, voilà, j'ai réussi à lui échapper. Mais il est très très vénère. Là, actuellement, il est avec un bazooka, etc. T'as fait tes recherches de ton côté, toi, du coup? Ouais, j'ai fait mes recherches. Ok. Bon, bah, faudra que tu l'arrêtes, hein. Ah ouais, mais c'est prévu, hein.
Ok, bon bah du coup les amis, on tentera de l'arrêter dans une prochaine vidéo. En tout cas voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. Mais également les 700 pouces bleus que je t'ai demandé au début de cette vidéo, puisqu'on a réussi à lui échapper, bah tout simplement à Grima Shake. Et bah n'hésite pas à mettre aussi un petit commentaire, voilà, ça me ferait super plaisir. Et en tout cas un grand merci à Enoti d'avoir participé à cette vidéo. Il fait souvent des lives sur Twitch les amis, sur plein de jeux différents, comme Mario, etc. Donc voilà, si vous voulez aller le voir en stream, ça lui ferait super plaisir. Sa chaîne sera en description. Sur ce, c'était Razone. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut, salut.